exist before it's washed to the sea. How many years must some people exist before they're allowed to be free? Bien, les enfants. Je vous remercie, monsieur le sous-préfet, monsieur le préfet Barot. C'est excusé, malheureusement, il a eu une réunion très urgente actuellement. Monsieur le vice-président du conseil départemental, madame la directrice de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui s'est excusée, monsieur le général Joss, membre du CDM, le centre de mémoire, si des fois on y va, vous verrez ce que c'est. Monsieur le colonel, délégué des militaires départementaux qui s'est excusé. Monsieur le délégué général du souvenir français qui s'est excusé. Monsieur le maire. Mesdames et messieurs, vous êtes invités. La cérémonie à laquelle nous allons assister, qui entre dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale, est le fruit du travail de recherche du comité du souvenir français de Bagnols, et du travail des élèves du groupe scolaire Aristide Maillol qui se sont lancés dans un travail d'études et de mémoire relative à la Grande Guerre. Donc je vous passe quand même le reste, puisque nous en sommes lâchés de ballon. Nous allons passer directement aux allocutions. Dans un premier temps, le président du souvenir français de Bagnols, monsieur le maire, qui clôturera la cérémonie. Bon, je le redis. Mais j'aime bien, des fois, lire quelques lettres de 1914-1918. Et là, j'ai eu un recueil de lettres et qui m'a permis de faire un petit choix tranquille. Alors, d'un certain Paul Henck était licencié en philosophie. Sous-lieutenant au 170e régiment d'artillerie, il écrivait tous les jours à sa jeune fiancée, Christiane, qui partageait son amour de la philosophie, et allait avoir 18 ans. Pauling sortit indemne de la guerre, comme 1 million de Français. Il fut tué par la grippe espagnole en février 1919. Mardi 8 mai 1917. Mon joli bébé, cela fait 2 jours que je suis ici tout seul, avec 3 éternels poilus qui montent la garde sans trêve au pied des pièces. Tout le reste de la batterie est resté au village. Nous sommes là, piliers de gourbis. Les pièces sont braquées. C'est épatant sous ce bois de cerisier tout en fleurs. Et si nous étions au temps des cerises. Et quel panorama! Quelque chose comme à Coupières et le village dans le bas, quelque chose comme au Bougeron. Voyons, que voulais-je dire? Oh, cette solitude et cette garde tranquille me plaisent. Souvent j'envoie un homme pour aller chercher tes lettres, mais elles persistent à ne pas vouloir arriver. Figure-toi, j'avais besoin de cette paix pour étudier. Si tu voyais tout le zèle que je dépense en mathématiques, je vais avoir terminé un petit bouquin d'algèbre. Ensuite, j'entame la géométrie. Depuis 1 heure, qu'il pleut, je commence à en apercevoir, car ce litige firmantesque obéit malheureusement aux lois de la pesanteur et subséquemment, je l'ai choisi celle-là, tant à descendre dans les trous nos repères à nous. Regarde, la fleur est avancée, ce sera bientôt le temps des cerises où l'on s'en va d'eux cueillir en rêvant des baisers vermeils. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est mort malheureusement de la grippe espagnole en 1919, tout en ayant réchappé à la guerre. Il avait 18 ans, dont
Il était de la classe 1917. Voilà. Comme je vous l'ai dit, il y a des lettres, il y en a de violentes, là-dedans, de très dures. D'autres comme celle-ci, très gentil. Voilà. C'est ce que je voulais dire, monsieur le maire. À l'occasion de monsieur le maire. J'avais dit que monsieur le sous-préfet, mais comme on vous l'a dit, il est retenu parce qu'il y a le ministre de l'Intérieur qui vient nous visiter dans le département lundi. Mesdames, messieurs les représentants de l'Association du Souvenir Français, mesdames, messieurs les représentants des associations d'anciens combattants, mesdames, messieurs les représentants des corps constitués, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les chers amis, je voudrais d'abord remercier le Souvenir Français, le président et l'ensemble des bureaux et des bénévoles qui travaillent au Souvenir Français. Pour le travail que vous faites, un travail minutieux, qui maintient cette mémoire vivante des combattants de la guerre de 14-18, mais aussi tout l'ensemble du travail que vous faites, et c'est important qu'il y ait les enfants des écoles qui soient présents avec nous. C'est important aussi, et dans les remerciements, je voudrais m'adresser particulièrement aux enseignants. Excusez, puisque ça a été une longue... Donc, de suite, une excuse qui a été prononcée. Excusez Mme Le Guen qui, pour des raisons de santé, ne peut pas être parmi nous. Mais monsieur la remplace, et c'est tant mieux. Et avoir une pensée donc, pour les enseignants qui font un gros travail avec nous, à travers le Conseil municipal des enfants, avec vous aussi, de manière à ce qu'on puisse faire revivre cette mémoire de nos anciens, des poilus, de toutes les souffrances qu'il y a eues. Et pour qu'on puisse dire, même si ça a été dit et ça a été une vaine parole, puisque l'armistice a été le prémisse de la Seconde Guerre mondiale, et qu'on peut imaginer que ça en fait partie aussi, plus jamais ça. Donc grâce à vous, grâce au Souvenir Français, nous avons pu parcourir tous ces événements qui ont bouleversé nos vies, nos villages et notre siècle. À travers ces témoignages, nous comprenons, nous pouvons partager l'angoisse, la peur, mais aussi les espoirs de tous ces jeunes gens qui ont été lancés dans cette bataille. L'angoisse et l'espoir de ces hommes qui partirent un bon matin, la fleur au fusil, et tout le monde était persuadé à ce moment-là que la guerre serait qu'une formalité et qu'on serait vite rentré dans nos foyers pour aller faire les récoltes. Ils étaient partis défendre la mère partie, et un grand nombre ne sont pas revenus. Beaucoup furent tués, beaucoup furent tués. D'autres furent grièvement blessés. Et pour ceux qui ont eu la chance d'en revenir, un traumatisme resta gravé à jamais. Et je vous invite à parcourir ces photos, ces lettres qui ont été diffusées, voir les conditions de vie. Avec Michel, on regardait le témoignage d'ici. Et il me disait, nous on n'est pas contents quand on nous coupe l'eau parce qu'on ne peut pas se doucher d'une journée. Et 20 jours sans se laver, dans des conditions épouvantables, à écouper l'eau, à attendre la boue, etc., etc. Donc ça devait être des conditions particulièrement difficiles. Et ceux qui connaissent ces régions françaises, il y fait très froid aussi. Donc je pense que les hivers n'ont pas dû être les plus simples pour eux. Ils avaient aussi, dans ces lettres de soldats qu'on nous lit, celle-ci était plus sensuelle, on va dire. Mais il y avait aussi des lettres qui étaient beaucoup plus difficiles, et celles de ces peurs qu'ils exprimaient à travers leur courrier, celle de mourir, de ne pas revoir sa famille, de ne pas connaître ou ne pas revoir ses enfants. Et on a aussi des témoignages, et on a parlé aussi avec Michel, on a parlé beaucoup, de familles qui n'ont pas connu leurs parents parce qu'ils étaient tombés au combat. Donc, en relisant ces lettres, je ressens un sentiment de résignation, de fatalité, comme s'il se préparait à mourir. J'y ressens aussi beaucoup de courage et cet esprit de sacrifice suprême, d'acceptation du destin. Comment s'imaginer cette jeunesse pleine de vie, pleine d'espoir, qui un jour quitte son bagnos pour se retrouver transi de froid au milieu des tranchées. On peut s'imaginer des périodes plus clémentes, plus fraternelles. Des lettres aussi en témoignent, on les avait lues la dernière fois au cimetière lorsqu'on a dévoilé la plaque. Où il y a aussi des lieux de vie en dehors de l'enfer des combats. Donc ces correspondances nous rassurent et nous écrivent aussi beaucoup de solidarité entre ces soldats
entre ces hommes et aussi des rencontres amicales et du vivre ensemble qui est maintenant à la mode qui se faisait à ce moment-là. Et c'est en ce lieu de leur rendre justice que nous réunissons pour inscrire à jamais les noms des soldats tombés au combat. Cette exposition ouverte au public, soutenue par les enfants des écoles, et Dieu sait que c'est important, pour qu'aucun poilu ne soit oublié. Rappelons-nous le lourd tribut des soldats français, très très impressionnant. C'est 1,4 million de morts, c'est 3 millions de blessés, c'est 60 000 amputés. Et lorsqu'on parle de blessés, tout le monde a en tête les gueules cassées, qui datent de cette période où les mutilations et les blessures étaient traumatisantes et terribles. En 4 ans de conflit, l'ennemi a occupé une dizaine de départements, réquisitionné partiellement et souvent en totalité des biens de consommation indispensables dans une France rurale et pauvre. Beaucoup de villages ont été détruits en totalité ou en partie. 300 000 maisons ont dû être reconstruites en totalité. 450 000 maisons ont été sévèrement endommagées. La mobilisation des civils fut importante, et celle des femmes et des enfants. Et cette guerre marque un tournant dans notre histoire, dans notre siècle. Celle des femmes en particulier, qui apparaissent majoritairement dans les usines de fabrication, notamment des armes, des obus, mais aussi des voitures et de la métallurgie. Elles changent par leur implication profonde de nos sociétés. Et c'est incontestable le regard que nous pouvons avoir actuellement. Elles mettent les prémices de ce mouvement de libération de la femme et quelque part de leur indépendance. Et elles l'ont payé très cher. À Banyuls, sous l'impulsion d'Emil Racovista, biologiste roumain au laboratoire, un appel aux bonnes volontés, à la générosité est lancé. Et les Banyolais y ont répondu. Les Banyolais, dans un village qui n'était pas le plus riche de France, approvisionnent en vivres, en meubles, en linge, et à la fin de 1914, un hôpital bénévole ouvre ses portes à la nuit au laboratoire Ago et accueille une centaine de poilus convalescents. Les femmes du village se proposent comme infirmières soignantes bénévoles. Malheureusement, par manque de moyens, cet hôpital fermera ses activités en 1907. C'est aussi un geste fort de la participation des populations à l'effort de guerre. Bien que loin du front, dans des territoires reculés, aux moyens faibles, voire pauvres. Ces territoires où les vendanges et les travaux, dans les vignes et ailleurs, sont faits par la population restante, à savoir les personnes qui ne pouvaient pas combattre leur âge, à savoir les anciens, bien entendu, et les femmes et les enfants. La mobilisation des civils et des soldats fut intense, complète. C'est tout un pays, rappelons-nous-en, qui payera un lourd tribut à cette guerre de 14-18. C'est hommage à toute une nation, dans son unité, que nous devons rendre, perpétuer. Ainsi, dans notre devoir de mémoire. Rappelons-nous et soyons éternellement reconnaissants que si nous pouvons vivre, et ça je m'adresse particulièrement aux enfants, si nous pouvons vivre dans ce pays où on est plein de liberté, où on peut dire tout ce que l'on veut, où on vit en paix, c'est grâce au sacrifice de ces personnes. C'est grâce au sacrifice de ce pays. Et rappelons-nous que 100 000 Banyulins sont morts durant cette guerre. Merci.